Alors, Baraka Sera Fi. Alors, il y a un bon avis. Alors, c'est ma Dina Laye. Assalamu alaikum. La Guinée, oui, la Guinée ferma. Dunia Dina Laye, bien. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Muslim Yaman. La Guinée, oui, la Guinée ferma. Dunia Muslim, bien. Assalamu alaikum. Je salue la population guinéenne de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier. La population guinéenne, je vous salue. Je salue la communauté chrétienne de la Guinée, de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier. La communauté chrétienne, je vous salue. Bon. Je salue tous ceux qui me suivent ici en direct et ceux qui vont venir encore regarder après le direct, je vous salue. Maintenant là, l'information que j'ai donnée hier là, ça a remué Idi Amin, les Bala Samoura, les Kumura, ils sont tous remis, les Lansana Kouyaté, ils sont tous panachés à l'heure là. Mais je vais faire d'abord une petite mise au point pour dire la vérité aux Guinéens. Moi, mon combat, c'est un combat national. Mais je n'aime pas les haineux et les méchants. Je ne les aime pas. Et je ne vais jamais leurs aimer. Que ça soit clair pour tout le monde. Vous pouvez me juger de votre manière. Mais moi, je suis une femme croyante. Oui. Je suis une femme croyante. Mon combat est là. Je mène un combat national. Mais je combats les haineux aussi qui veulent détruire notre pays. Oui. Et qui sont là à détruire les avenirs de, notre pays, notre chère Guinée qu'on a créée 224. Voilà. Je suis prête à leur combattre à n'importe quel moment. Oui. Idi Amin, tu sais, vous savez, les Guinéens oublient. De temps en temps, il faut qu'on vous... qu'on réveille encore des histoires pour vous rappeler. Je pense l'année passée, j'ai fait l'interview avec et là je te gagne la puissance, le blogueur qui est là. Voilà. Quand j'ai fait l'interview là, ça n'a pas pris une semaine. Les chaînes internes aussi ont parlé. Il y a les autres pays aussi qui ont parlé de ça là. Assalamu alaikum. Donc, le moment que Idi Amin est allé signer le contrat avec le chef d'état-major français, vous savez là où il a signé? Je veux que la vidéo là part. Je veux que la vidéo part chez les Burkinabés, chez les Maliens et chez les Nigériens aussi. Oui, parce que je vais donner des informations aujourd'hui qui leur concernent, qui concernent tous les pays africains. Oui, partagez très bien. Quand je vous dis de partager les vidéos, ma vidéo partagée, je ne vous demande pas hein, de partager la vidéo, mais pour distribuer et partager la nouvelle, il faut le faire. Raison pour laquelle je vous demande. Bon,
Idi Amin est allé signer le contrat là. Je vais vous détailler qu'est-ce qui est même dans le contrat là. Aujourd'hui, je suis fatiguée, mais je vais prendre mon temps pour vous expliquer. Idi Amin a signé la convention là, dans le bateau sur la mer. Idi Amin, c'est pas là-bas que vous avez signé. Tu es parti avec tes diplômes. Parce que quand la France a perdu le Mali, la France a perdu le Burkina, la France a perdu le Niger, Niamey. Oui. Maintenant, il y a une force à l'attente que tous les Africains, pays africains, doivent sont concernés pour cette nouvelle. J'ai été la première à dénoncer, à dévoiler la signature de Idi Amin entre lui et le chef d'état-major français. Ça n'a pas pris 24 heures. Les grandes radios des pays voisins, même la Guinée, ils étaient obligés de faire passer. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont fait passer ça. La nouvelle sur leur télévision nationale même. Et leur radio. Oui. Donc ce contrat-là a été signé là-bas. Sur la mer, dans le bateau, Idi Amin est parti avec ses diplômes. Avec ses diplômes. Parce que quand Mamadi a fait le coup d'État, Idi Amin est rentré en Guinée avec quelle intention? Pour prendre le pouvoir, de remettre le pouvoir à Idi Amin, général Aboubacar Sidiki Camara. Idi Amin, actuel ministre de la Défense en Guinée, Conakry 224, actuel ambassadeur encore à Cuba. La même personne là. C'est lui, général Aboubacar Sidiki Camara, alias Idi Amin Déboroï, un fumeur de Yembenyari, chambre indienne, il utilise ça. Donc, quand j'ai dévoilé ça, ça a pris les pays, tous les pays africains. Maintenant, je viens vous dévoiler pourquoi Idi Amin se bat pour faire le coup d'État à Mamadi Doumbouya. Oui, parce que son intention après le coup d'État, c'est lui qui devait venir. Mais il a été bloqué par Mamadi. Donc, tous ceux qui peuvent déranger Idi Amin et Bala Samoura à l'heure là, il faut qu'il élimine tous ces gens là. Quand il arrive maintenant à prendre Mamadi, maintenant qu'il aura une route ouverte, un chemin ouvert pour lui. Bon, maintenant, comme la France a perdu les pays là, qu'est-ce que Macron prépare, la France prépare maintenant à créer contre les pays africains? Il y a une force en attente, une dangereuse force en attente, comme les Wagner là. Donc Idi Amin est sollicité pour ça. Il a fini de déposer ses diplômes là-bas. Maintenant, quand il prend Mamadi, lui, ils vont éliminer l'armée guinéenne et créer une autre milice. Ça serait des Maliens recrutés, des Sénégalais recrutés, qui sont tous contre les pouvoirs en place. Ils seront tous récupérés pour contrôler les pays africains.
comme les Wagner. C'est ça même qui est dans le contrat là. Raison pour laquelle Idi Amin a mis le Gombo sous les deux pieds de Mamadi Doumbouya. Mais comment le prendre? Il faut qu'il élimine les bons fils d'abord, comme feu général Saliba Koulibaly, Alayarham, les Amara, et les bons fils de la Guinée, comme le colonel qu'ils ont pris à Bata là-bas, qu'ils ont éliminé du teint clair là, quand ils ont arrêté feu général et Saliba Koulibaly, Alayarham. Ils ont pris un autre colonel là-bas aussi qui a été maltraité jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort. Donc voilà le plan de Abakar Sidiki Camara et Bala Samoura. Général Abakar Sidiki Camara, actuel ministre de la Défense de CNRD, en Guinée-Conakry de 124. C'est ce que la France prépare maintenant pour mettre en place partout en Afrique, que la France ne gagne pas l'intérêt. Maintenant, c'est les vagabonds groupes là qui vont renverser les présidents là. La nouvelle là doit partir vers Burkina et Mali, au Mali et Niger, même au Gabon. Voilà une force qui est une force en attente. Un autre groupe créé contre les présidents en Afrique, comme Wagner par la France. Idi Amin est sollicité quand il arrive, que Dieu lui piétine. S'il pouvait renverser et prendre le pouvoir en Guinée, il sera le président des Wagner en Afrique. Donc tous les pays africains, ouvrez vos yeux et veillez sur Idi Amin, pas seulement pour la sécurité de la Guinée, mais tous les pays africains. Voilà une force en attente qui est sur la table de Macron. Emmanuel Macron, le président de la République française. Leur secret, c'est ce que je vous dévoile aujourd'hui. Encore, derrière ça, Idi Amin, vous avez contacté vos groupes cachés dans Tombo aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez compris maintenant que vous marchez dans ma bouche, que vous marchez dans ma bouche. Voilà. Donc le secret de votre coup d'État, chercher le pouvoir, c'est le secret là que je viens dévoiler pour les Guinéens. Et ceux qui sont contre ce que j'ai dit, le coup sur le général Mfamara Camara, fils de feu, Papa Diara, Alayarham, je peux leur dire que j'ai bien fait. À ma langue même, Soussou, Mfatara. Oui. Je suis contre Amara par leur mauvais comportement. Oui. Mais la manière dont ils ont utilisé feu général Saliba Koulibaly, c'est la même manière qu'ils vont faire à Mfamara aussi, si lui et sa famille ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, je n'ai pas de haine à garder. Raison pour laquelle, jusque-là, je n'ai pas de tension hémorroïde, rien. Je dis ce qui est ici et puis je me libre. Oui. Et puis je me libre. C'est ça un bon croyant. Oui. Si quelqu'un me fait du mal, je peux vous éloigner. Mais je ne garde pas la haine dans mon cœur pour me chercher la maladie. Je ne le ferai pas dans ma vie.
Oui, j'ai dit ça et je vais vous donner un exemple frappant. Un exemple frappant de moi. Quand la rébellion est rentrée en Guinée en l'an 2000, il n'y avait pas une bonne attente entre feu, noble président, général Lansana Conté, et feu, général Fassine Touré, Allah yarham. Mais dès que la rébellion est rentrée en Guinée, feu président Lansana Conté, quand il a pris son téléphone, il a appelé qui d'abord, la première personne, il a appelé d'abord feu général Fassine Touré. Feu général Fassine Touré n'était pas en Guinée, il était en voyage pour ses soins. Feu président Lansana Conté, Allah yarham, il a pris le téléphone, la première personne qu'il a appelé, c'est lui, général Fassine Touré, en lui disant que la rébellion est rentrée en Guinée. Ils veulent attaquer la Guinée. Mais ils sont rentrés vers votre région natale. Donc c'est à vous de voir maintenant. Oui. Général Fassine Touré, Allah yarham, il devait faire une intervention chargerie que vous pouvez comprendre ou quoi ou non. Il a pris sa valise encore, rentré en Guinée, Conakry. Ce jour-là, il descendait à l'aéroport, même son côte-là, c'était comme ça. Il portait une chemise blanche. C'est comme ça qu'il est rentré. Il a oublié son soin qu'il est allé faire pour sa santé. Sa préoccupation était... Et sa priorité était la sécurité de son pays. Les deux personnes-là ne s'attendaient pas. Donc, c'est des exemples que je vous donne. Ici, aux États-Unis, il y a des États ici, quand tu tues, on te tue. Mais il y a des États ici encore, quand quelqu'un tue, il passera toute sa vie en prison jusqu'à sa mort. C'est pas comme ça qu'on enlève la vie d'une personne. Mais tous les assassinats qui passent en Guinée, je vous dis aujourd'hui et je vous réassure, Mamadi tire sur ses gardes-corps. Oui, il le fait. Il l'a sciemment fait. Mais les assassinats qui se passent sur les militaires, les officiers comme ça, c'est Idi Amin, Ibala Samoura. Et avant la mort, avant la dernière respiration du feu général Sadiba Koulibaly, Allah yarham, c'est Bala Samoura qui est venu tirer sur sa tête et entre ces deux, celle-là, sur sa poitrine. C'est les deux personnes-là. Ce Bala-là a servi sous le régime du feu président Lansana Conté. Un militaire qui est allé en formation et revenir, refuser de prêter serment pour le président qui a payé sa formation. C'est Bala qui a fait un haine. Lui et Idi Amin. Mamadi ne connaît. Il ne connaît pas les officiers guinéens. Il a fait combien de temps? L'assassinat qui se passe sur la tête, sur les têtes des fils aujourd'hui, bien formés. Mamadi est dans le palais. Il tue ses gardes-corps là-bas. Je répète encore. Mais c'est Idi Amin et Bala qui sont là à assassiner les officiers de la Guinée-Conakry à l'heure-là.
parce que leur coup d'État est prêt, mais c'est déjà piétiné depuis hier, quand j'ai dévoilé. Idi Amin, général Aboubakar Sidiké Camara, tu ne seras jamais gagnant en Guinée. Tu vas regretter dans ta vie. Depuis le temps, le régime de feu, noble président Lassana Conté, qui a pris l'intention de faire le coup d'État à lui. J'ai commencé à veiller sur toi depuis ce moment. Moi, ceci l'embassé. Oui. Moi, ceci l'embassé. Aboubakar Sidiké Camara, général Aboubakar Sidiké Camara. Et Bala Samoura. Bala Samoura a servi sous le régime du feu président Lassana Conté. Sous le régime de Dadis, président Dadis, quand on lui a même fait passer à la justice pour le cas du 28 septembre, vous savez, quand il s'est retourné, ce qu'il a dit à Mamadi, il dit, si on m'appelle là-bas encore, si je reviens, ça va casser ici. Depuis ce jour-là, personne n'a vu Bala Samoura dans notre justice. Allez-y observer. S'il s'est rendu là-bas pour une deuxième fois, pourtant la preuve est sortie. Il abusait un père de famille qui a dit merde aujourd'hui à son pays natal. Pour protéger sa vie. Tout le monde a vu ça. Bala n'est pas parti en prison. C'est le même Bala là encore qui ont tout manigancé pour renverser président Moussa Dadis Camara. L'arrestation des officiers là, c'est leur clan. Le plan monté contre Elhadji Sengou Dalé Ndiallo, quand il arrive à rentrer en Guinée, ça sort de Idi Amin. Hello. Hi. How are you? Good. Ça sort de Idi Amin. Ça sort de Idi Amin. Ça sort de Idi Amin. Leur liste est prête. Leur communiqué est prêt. Que lui soit le président de la transition. Alana Mafima. Général Aboubakar Sidiké Camara, Alana Mafima. A nous, Alana Mafima, ma somme. Parce que ça, les tours, il n'y a pas ma fille. Il est venu dire qu'on est bonhomme, il n'y a pas. Dieu même voit ce que tu mets sur les fils de la Guinée aujourd'hui, assermentés pour leur pays. Et puis tu oses encore d'aller t'arrêter et dire que si quelqu'un meurt, vous n'avez pas tué, ou l'avez pas tué, vous lui avez rendu à Dieu. Ta vidéo là circule partout. On a tout, tout le monde a gardé ta vidéo là pour un jour. Général Aboubakar Sidiké Camara. Moi, personnellement, j'ai gardé dans mes emails. Partout. J'ai gardé. J'ai mis dans beaucoup de places. Ta voilà. Idi Amin a servi. Bala Samoura a servi. Sous le régime du président Alpha Condé. C'est les Bala là et Idi Amin là qui sont associés au coup d'État qui a renversé le professeur Alpha Condé. Voilà votre coup d'État, la manière dont vous avez utilisé feu général Sadiba Camara et Koulibaly Alayaram. À ce que la population guinéenne dise
au monsieur que vous l'avez utilisé. Vous l'avez utilisé. Général Abakar Sidiki Camara, tu as mis d'abord un garde-corps sur lui. Il a nourri ce dernier. Il a fait une maison pour ce dernier. Il a fait un forage pour ce dernier. C'est le jeune là qui est allé tomber, Samoura, qui a fait l'accident sur une moto. Ça s'est fait et je vous ai averti. La vidéo est sur ma page. C'est le jeune là qui était connecté sur feu Saliba. Koulibaly, le Yerham. Donc, les Guinéens, Conakry 224, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, tous les pays africains, prenez cette vidéo, comme moi je parle lentement, et gardez, veillez sur eux. Le général Abakar Sidiki Camara, actuel ministre de la Défense en Guinée-Conakry 224, encore actuel l'ambassadeur à Cuba. Il gère deux postes à l'heure là. Donc voilà une force attente qui attend. Si son coup d'État arrive à passer. Parce que, alors là, c'est les officiers formés là, mais surtout Amara, qui leur dérange alors là. Ils veulent éliminer Amara. Il y a des officiers aussi que Idi Amin veut éliminer. Tidiane Traoré, qu'on appelle comme ça Tidio, le vendeur de drogue là, le mauvais là qui montait, descendait derrière feu, colonel Ousmane Conté, Alayarham, un ingrat que je n'ai pas vu dans ma vie. Il est dans votre service renseignement là-bas. Il travaille pour lui. Mamadi doit comprendre que Tidjo ne travaille pas pour lui. Oui. Même leur, les premiers qui travaillaient là-bas, Ismaël Keïta, c'est Idi Amin qui lui a fait sortir. Le coup d'État de Idi Amin est piétiné à partir d'hier. Donc ceux qui viennent me demander la preuve, je vous donne un peu. Je vous donne un peu. Moi, je vis ici aux États-Unis. Des pays. Le pays des pays. Je vis ici. C'est eux qui m'ont étudié. C'est eux qui m'ont fait de ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne peux pas m'asseoir sans protéger mon pays. Je sais, l'ambassade vous donne sa parole d'honneur. L'ansanokouyati, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. L'intention de Idi Amin, il voulait, s'il gagnait le pouvoir, de mettre en feu Aminata Touré, la fille de Feu Sékou Touré. C'est ce qu'il avait dit. Mais vous savez pourquoi la femme est décédée au Maroc? Le matin, la journée, la nuit, ses parents l'appelaient. Encore il faut revenir maintenant, encore il faut revenir maintenant. Dès que la femme l'a rendu l'âme, la première personne qui a pris la fuite d'aller fouiller la maison de feu Aminata Touré et prendre les dossiers dans sa maison, c'est Général Ibo Abakar Sidiki Camara qui l'a fait. C'est lui qui a fait.
Donc que ça soit clair pour les soussous, mes parents. Mes parents forestiers, mes parents peuls, mes parents malinqués. Tout le monde doit veiller sur Idi Amin. Même les pays voisins doivent veiller sur Idi Amin. Inch'Allah, Idi Amin, ton vœu est déjà pétri. Moumini Radi Meloumana. Ifa n'a rien katara de bilan sa n'a konte nyamani. Amou nyerema. Mama di do ne menito. Yo. Atamu se se koulon fofu ne dom fi. Se se n'a rien d'angye fe yibok ikwi mama di makoulon. Bala sa mora n'a voulu monti nou Idi Amin. Ifi itungu soye. Anou fankri tonye gedo koum me koum me fwa le mina koui. Assume force spéciale y était. Dimi, et voulait ton goût sa mère au moins. Et ça n'a pas encore ma maman dit n'a pas fini. N'a rien eu à déranger ma mère, mais oui, année tambour éliminé fini et n'a rien fait ça de bas. Koulibale rafaré rambira et cigarne sa colonel défense ou batakoui et n'a pas bon bonheur. Bala samura mose fensi masana ga regime na kui dadi se ga regime na kui alfa konde ga regime na kui se go ba ga tang dum dum ti na kui menas bala samura veut être ministre de la défense et di amene yu kontra si malgo na sa si ngi nanta ki Baton kui, n'tan so se l'ambassi na mamini nafala. Nafala mouler mouye nou nani bi. Dorbo le pays bili nagbili bila fila. Fe nagan le kine kui, le kine ke wouhi mangou kon kon fini. Anan fini woyi da ki kolida. N'tan mouma fokwe da biri louma bartera faso na kui. Donc, on voit une bonne mobe à menene. Dis fonni que mangue à son fait. Maman dit à ma souris. Il dit à mine na souris. Mais il y a un mouvement de ma maladie. Oui, on a dérangé. Il dit à mine au bilari de fini. Mais n'a pas souffert le maman dit. À ma manière à passer ma kirana hana. N'a pas la yama qui follow. Bah ouri femme. À la sonne de bah ouri. Et fais le walia mon redougama. Yamfante mulugama. Di Ousmane Gawan. Oye tout fils CNRD. Et di amine ram reposterine là. Na Bassir Diallo. Et di amine ram reposterine là. Yo. Et non lance la kuyata mérite un pouvoir féré. Et tana la féré. Mais il a fait refier la rama. Inch'Allah, vous me guérez ma vie. Marguer mes racines. Mangan guira mes noumans. La Guinée sorinda guerre na barska Sénégal. Un militaire de la force spéciale a pris la fuite. Pour sauver sa vie. Il est rentré au Sénégal. Il est là-bas avec ses parents. Ses parents étaient là-bas avant que lui prenne la fuite d'abord de la Guinée. Ils ont recherché, recherché, ils ont compris que le gars vit au Sénégal maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une plainte d'Interpol contre lui. Donc il a été arrêté avant-hier. Il a été arrêté avant-hier. Il a été arrêté avant-hier. Mais je tire les oreilles du président Diomaye Faye.
et le premier ministre Ousmane Sonko. Yola, quand on a crié ici, vous priez au nom de Dieu, vous avez pris notre cri à vos deux mains. Grâce aux hommes forts du Sénégal, des avocats, des grandes personnalités comme M. Tine et les avocats qui ont défendu Jibril Sylla. Vous avez vu maintenant ceux qu'ils ont mis sur Saliba. Maintenant, si vous arrivez à libérer ce militaire-là aussi, Daouda Bangoura, ils vont l'assassiner avant de rentrer même sur le territoire guinéen. Déjà, il est sorti avec beaucoup de secrets. Là où Mamadi met même les militaires qui ont assassiné, qui ont été assassinés le 5 septembre l'an 2021, il est sorti avec beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. How are you? Là où on lavait, la pompier même est venue laver la route entre l'église catholique et notre ancienne école, la place des maritimes, et là où on met la fleur pour les maritimes et la banque centrale. Il a fallu ce jour-là, vers avant 6 heures du matin, que le pompier vienne laver le sang des êtres humains. Il y avait des personnes même qui ont eu leur tête ouverte. Je vous dis, il y a des personnes, il y a deux ou trois militaires qui ont perdu leur mémoire ce jour-là, quand ils ont vu leurs amis avec qui ils ont passé la nuit. Ils ont été tous assassinés. Le jeune Daouda Bangoura est sorti avec beaucoup de preuves. Beaucoup de preuves. Ils ont voulu le tuer. Il n'a rien fait du mal. Rien. C'est le général Idi Amin qui veut l'assassiner. Comme il vient d'assassiner feu général Saliba Koulibaly, alayhi rahm. Donc l'autorité sénégalaise, je vous lance ce message-là. Les croyants, que vous prenez à vos deux mains, on vous respecte et on a beaucoup de respect pour vous et vous êtes des croyants. Protégez la vie de Daouda Bangoura. Alors là, ils ne font que éliminer les fils assermentés de notre pays, Guinée-Conakry 224. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de Di force spéciale d'une ramfa di ramini et barakulu nana Sénégal ne. Naram rien ne vivait fait mène Sindi. Parce que Sénégal, nous, la Guinée, c'est la famille. Comme entre nous et Mali, entre nous et Burkina, entre nous et la Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est la famille. Moi-même qui vous parle comme ça, la maman de mon feu. Papa, elle vient de là-bas, elle est serrée. L'Afrique, c'est la famille. Donc, il y a des hygiènes féminines, et ça interpelle les nanadins que nous autorité sénégalaise n'a rien à libérer. Nous avons confiance en nous. Et nous avons là. Et femme n'a ni ma protéger. Donc, au bien, je dois avoir un peu de Bangoura. En Sénégal, l'Interpol sera un peu de Bangoura. Mais je ne sais pas si parce que le pays, le fait général, ça a fait tourner. Il a crié un peu de Bangoura.
mira tourné namanda ngi xam bi gi kapuru kuy kapuru kuy gi jallo saraka ji saw yi reena xaw bu dun tum president da di sa na xara so ay e bar se ge sa es ge sa clôture sou mene la la dina di muna si se mene tu fouille couche drogue do fi anongi crack ki ke kere muna ki ke firi muna mere sa ganga ni batagina le wone nde ba ko fadina ya bourma firi ni fa ngiri kere fine tu ngati ya bourma na dangi fi menne Bachir Diallo est un ministre de la sécurité, nous avons fait. Darufouri Dandang Vimri n'a pas de série de Roumains. Il reste à sa place, il ne le mérite pas. Quelqu'un qui a un tel problème, on a un nom de la place. Mri n'a pas de série de Roumains, mais le Kobe. Comment on a connu? Mais ça n'a pas de faire un rabou de Rambéla Méni. Khalu ko na dendidi na me na fi khada ngina inomi ya takidi ibara paka yitina sisi mati mana foji crack anungi kush ndena mi mu vidu wituma foi pense tongwira ko ke nenyima ina bedu watan na hi dum mu bari mi hi e wosato sato fanyira umu ya ginara ibari mi hi ibari futigui e bari fay dunia ma barki fanyi yakui khawmo sese stone kan fi mo bar mi khima mi khal fierté khadignité e wona protégé drogue mo se famo ma jeunesse drogue mo se famo ma jeunesse wona kan tungo ma drogue ra wona do se fanyi dwara na mo mo na famma ubi en watu ngu sa fi wo ngema uwo sa fi wo ma gine ma bunu we ta kun na kan drogra ina ndi to fu ina nyi fu ina bendum e pensa na ku ta mi na bendum we ni mo ye ta mo fera o ha dunia kan fu e pa mo mo sante ya fa nyi ta ho mura amusi ma ya ko ku ye fa fi mo ma donc c'est une arrivée. La rive